Leçon du soir, il est 21h57. Je viens de rentrer chez moi, là, je sors d'une négociation parce que je suis sur un projet, je ne peux pas trop en parler. Bref, leçon du soir, s'adapter, pas de champ lexical guerrier, win-win, on est là pour trouver une solution. Vous allez me dire, mais tu parles de quoi? Quand j'étais là, tu nous balances des trucs, ben vas-y, tu parles de quoi? Je parle de négociation. Dans la négociation, malheureusement, et inconsciemment, j'en fais les frais parce que des fois, ma manière de me comporter, ma manière de parler, trahit un champ lexical guerrier. Je viens de faire des rimes sans faire exprès et ça continue en plus. Bref. Mais en vrai, c'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Tu peux gagner, je peux gagner. C'est pas que si tu gagnes, je perds et si je gagne, tu perds. Et, je sais pas si vous voyez là, je vais baisser un peu le truc là, j'ai même mis là, un pantalon à pince et tout, je me suis mis en mode sérieux et tout, parce que je vous dis, je me fais accompagner, la personne qui m'accompagne m'a dit, ta manière de te vêtir, bah ça joue sur ta manière de parler, ta manière de te comporter. Bref, peut-être que vous captez pas tout ce que je dis parce que ça fuse dans tous les sens. Là, mon cerveau est en train de chauffer et tout, parce que j'apprends beaucoup de choses sur le tas en fait. Je fais le mec qui accompagne des gens, et c'est vrai, hein, je fais pas que le mec, j'accompagne des gens pour se lancer, mais des fois on oublie le B.A.B.A. Des fois, on oublie le B.A.B.A. Souvent, je vous parle de PNL par le groupe de rap, mais programmation neurolinguistique. Et certains mots, comme réfléchir, calculer, ne vont pas entraîner les mêmes réactions chimiques d'un point de vue neuronal dans votre cerveau. Là, je suis un peu fatigué. Je referai cette vidéo demain. Ça va être un peu plus clair pour vous, mais je pense que vous allez capter ce que je veux dire. S'adapter, win-win, trouver des solutions. Il n'y a pas de méchants. Il n'y a pas de je sais pas trop quoi, c'est pas une guerre, on est là ensemble sur la même table pour trouver une solution et que chacun ressorte de cette table en étant satisfait et si Dieu veut avec une pizza homard. Je vous raconterai la ref de la pizza homard. À plus tard.